Bonsoir à tous, bienvenue à notre réunion de ce soir, École du sabbat annexe organisée par l'église d'Horeb du septième jour. Je vous souhaite à tous une cordiale et bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions pleinement étudier cette leçon de cette semaine, le sanctuaire de la nouvelle alliance. Donc, nous allons commencer par chanter au numéro 325 de notre hymne louange, et ça sera avec Naomi. Bienvenue, Naomi. Merci, bonsoir à tous. Alors, nous chanterons ensemble, bien entendu, avec les micros éteints, mais je compte sur vous pour chanter avec moi de là où vous êtes. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui devant le roi, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de rendre, tant que dure le combat. Que comptez sur lui, tout est là. Que comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de rendre, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que comptez sur lui, tout est là. Merci Naomi. Maintenant, nous allons prier avec Carole. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous prie de baisser la tête pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette belle journée que tu as permis de passer sous ton regard béni. Merci de nous avoir gardés, protégés et conservés la vie. Nous voulons d'abord te demander pardon si toutefois nous avons péché devant toi. Aide-nous, Seigneur, tout le temps à garder les yeux fixés sur toi, afin que nous puissions continuer à avancer sur l'échelle de la sanctification que tu as placée devant nous. Que tu puisses bénir ce programme, qu'il soit à ta gloire, permet que tous ceux qui sont sur la plateforme puissent être enrichis, mais aussi ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message plus tard, que tu puisses fortifier chacun de nous, bénis tes enfants dans le monde entier, et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel. Au nom de Jésus, nous te prions aussi particulièrement pour Harry qui aura à nous partager cette leçon ce soir, que tu sois avec lui, garde-le et fortifie-le et que tes paroles soient dans sa bouche. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre récit missionnaire et c'est Odile qui aura le plaisir de nous présenter ce récit du jour. On m'entend? On t'entend très bien. D'accord, alors bonsoir à tous.
Alors, le bulletin de ce soir a pour titre « Prière pour un mari » et je vais vous parler d'Esther Garcia qui a maintenant 35 ans. Quand Esther avait 12 ans, elle a commencé à prier d'une manière spéciale. Donc, chaque soir dans sa chambre à Villa Hermosa au Mexique, elle disait à Dieu « S'il te plaît, trouve pour moi un bon mari », priait-elle. Le père d'Esther buvait beaucoup et se battait constamment avec sa mère. Il menaçait souvent Esther et sa mère avec un couteau de cuisine et parfois il le lançait sur elle. Il les a toujours manqués, grâce à Dieu. Esther ne savait pas vraiment comment prier, mais elle croyait que Dieu pouvait l'aider. Elle lui a parlé comme elle le ferait à un ami. « S'il te plaît, donne-moi un bon mari, une famille heureuse et un bébé », a-t-elle prié. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a rencontré Luis alors qu'elle travaillait dans une pharmacie. Il était son patron. Tous deux ont commencé à se fréquenter et Luis l'a invité à un programme spécial du sabbat à l'église adventiste du septième jour. Esther a tout de suite aimé l'église. Les gens étaient sympathiques et elle ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a écouté le prédicateur parler de Daniel. Soudain, elle a entendu une voix masculine lui parler. « Tu es à ta place », lui disait la voix. « Tu appartiens à ce lieu. » Esther a regardé Luis. « C'est à moi que tu parles », a-t-elle demandé. « Je ne te parle pas », a-t-il dit. « Je suis assis ici tranquillement. » Esther s'est demandé si elle perdait la tête. Alors qu'elle quittait l'église après le sermon, la voix a continué à parler dans son esprit. « Tu es à ta place », disait la voix. « Tu appartiens à ce lieu. » Esther ne comprenait pas qui lui parlait, mais elle ressentait de la paix. Le sabbat suivant, Esther a annoncé à Luis qu'elle voulait suivre des études bibliques. Le lendemain, la sœur de Luis et son mari sont venus avec plaisir chez Esther pour étudier la Bible avec elle. Au fur et à mesure qu'Esther apprenait les choses sur la création et les 10 commandements, un désir a grandi dans son cœur d'en savoir encore plus. Elle a commencé vraiment à étudier la Bible toute seule. Un dimanche après-midi, le père est arrivé à la maison, très ivre, alors qu'Esther était au milieu d'une étude biblique. Il a vu le couple adventiste dans le salon et s'est dirigé directement vers la cuisine. Esther a entendu des fracas et des coups dans la cuisine. Puis le père l'a appelée. Dans la cuisine, le père a soulevé le couteau de cuisine d'un air menaçant. « Quitte ma maison avec tes amis », a-t-il grogné. « Si vous ne partez pas, je vous tuerai. » Les yeux d'Esther se sont écarquillés. La voix n'était pas celle de son père, son visage avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il ressemblait à une personne différente. Elle a essayé de le raisonner. « S'il te plaît, calme-toi », a-t-elle dit. « Je ne consomme pas de drogue et je ne bois pas d'alcool. J'essaie d'étudier la Bible, ce qui est bon pour ma vie. » Le père a refusé d'écouter. « Je vais tuer ces gens et je vais te tuer », a-t-il grogné. Esther a demandé à ses amis d'église de partir. Après avoir prié avec elle, le couple est parti. Esther est allée dans sa chambre et a pleuré. « S'il te plaît, mon Dieu, tu dois m'aider », a-t-elle dit. « Je ne veux pas vivre comme ça. » Elle a ressenti de la paix en quittant sa chambre. Elle a trouvé son père dans le salon. Quand il l'a vu, il s'est mis à rire bruyamment. Esther a senti que ce n'était pas son père qui riait. Elle a couru dans sa chambre à nouveau et s'est mise en prière. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-elle dit. Elle a ressenti la réponse immédiatement. À ce moment-là, elle a décidé de donner son cœur à Jésus et de se faire baptiser. Amen. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, Esther est secrétaire de l'Église et directrice de la jeunesse à l'église adventiste du septième jour à Villa Hermosa au Mexique. Elle est également mariée à Luis et ils attendent leur premier bébé. « J'ai prié pour un bon mari, une famille heureuse et un bébé », dit-elle. Dieu a répondu à mes prières. Merci pour votre offrande du 13e sabbat, du premier trimestre,
qui a aidé à construire une nouvelle aile à l'hôpital, un établissement de l'Église adventiste du septième jour dans la ville natale d'Esther, Villa Hermosa, au Mexique. Amen. Amen. Merci Odile pour ce récit. Donc, pensons toujours, continuer à prier. Nous sommes toujours dans la division inter-américaine. Donc, maintenant, nous allons passer au moment clé, le plus important de notre étude biblique de ce soir, école annexe. Et c'est Harry qui va nous présenter la leçon 11, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Bienvenue, Harry. Merci Charles, et c'est l'occasion pour moi de saluer tout un chacun. Donc, c'est une joie pour moi de partager cette leçon fort intéressante avec vous. Comme Charles l'a mentionné, elle s'intitule ainsi, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Vous savez, Dieu il a conçu le sanctuaire terrestre pour en faire une représentation imagée du plan du salut. Cependant, ce sanctuaire a été réalisé sur le modèle du sanctuaire céleste, c'est-à-dire le centre véritable de la présence de Dieu et de son activité au sein de l'univers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu a établi le sanctuaire sur la terre, il s'en est servi comme un outil pédagogique. Donc, le sanctuaire israélite, avec ses services, il révélait des vérités essentielles telles que le caractère de Dieu, la rédemption et le sort final du péché. Mais je vous invite maintenant à prêter un peu attention à certains points clés du service sacrificiel du sanctuaire terrestre. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un individu pèche, c'est-à-dire transgresse un ou plusieurs commandements de Dieu, à ce moment-là, on dit qu'il s'agit là d'ailleurs d'un véritable problème. Parce que, comme vous le savez, Dieu est parfait et Dieu est juste. Ce qui revient à dire qu'il ne peut accepter la désobéissance et il ne peut accepter non plus le péché. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a péché, le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, c'est d'exterminer le péché. La désobéissance. Parce que cela, vous le savez, cela n'a jamais fait partie de son plan initial, de son plan pour sa création. Donc, le problème qu'il y a, c'est que le péché et la désobéissance se trouvent dans le cœur de l'être humain. Donc, c'est un gros problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce tel cas? Quel est le constat qu'on fait après cela? Le constat est celui-ci. Et le constat est que le péché doit être exterminé, et puisque le péché se trouve dans le cœur du pécheur, c'est-à-dire que le pécheur doit par conséquent être exterminé. Et la Bible nous le dit d'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Normalement, l'issue de tout pécheur, c'est la mort. La mort éternelle. Très grave. Mais heureusement, les choses ne s'arrêtent pas là, parce qu'il y a un deuxième point, on continue. Il y a la notion de substitut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu aimant tellement l'humanité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place le système sacrificiel qui est au cœur même du plan du salut. Mais comment cela fonctionne? Le pécheur, c'est-à-dire celui qui mériterait d'être exterminé, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se présenter dans le parvis du temple avec un animal, en l'occurrence un agneau sans tache. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il liait les pattes de l'animal, puis l'offrant, c'est-à-dire celui qui vient avec son animal, avec son sacrifice, il plaçait sa main sur la tête de l'animal pour un transfert de culpabilité. Donc là, il y a tout un processus d'identification qui va se faire entre le pécheur et l'animal. Donc,
Qu'est-ce qui se passait? Il y avait la mort de l'animal, donc l'animal était égorgé, puis immolé, et l'offrande à ce moment-là est déclarée, ou du moins considérée juste devant Dieu. Et on voit ici que Dieu, dans son amour infini, il met en place un plan. Il met en place tout un système pour sauver l'être humain qui mérite la mort. Donc, dans l'Ancienne Alliance, c'est par le sacrifice d'un animal innocent que l'homme pécheur est sauvé d'une mort jusqu'alors qui semblait inévitable. Donc là, on voit tout l'amour de Dieu. Donc, autre chose importante à comprendre aussi, c'est très important. Le sacrifice n'est pas une transaction entre l'humain et le divin. Ce n'est pas, bon, j'ai besoin d'être sauvé, donc je fais une petite transaction avec Dieu, j'emmène mon agneau et puis tout est cool, tout est réglé. Non, donc son objectif n'est pas d'acheter un pardon à venir. Parce que le pardon promis, c'est un cadeau de Dieu. Ce cadeau, il est déjà là. Donc, le sacrifice sans saisie, il exprime concrètement l'acceptation et la réception de cette grâce. Donc, la grâce, elle est déjà là. Dieu a déjà pourvu. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme va montrer, en apportant son agneau, qu'il accepte, qu'il reçoit cette grâce émanant de Dieu. Et maintenant, la question que je souhaite vous poser est celle-ci. Donc, on voit que les choses étaient claires et nettes, je dirais même bien rodées. Et pourquoi donc il y a-t-il besoin d'une nouvelle alliance? La parole est à vous. Parce qu'on voit que tout était organisé, tout était déjà quand même bien structuré avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Donc, pourquoi y a-t-il eu besoin d'une nouvelle alliance? Je vous écoute. Ben, sachant que l'alliance était, le sanctuaire qui avait été mis en place dans le désert, en fait, annonçait les choses à venir. Donc, comme ça annonçait les choses à venir, donc il était question, bien sûr, que ce qui était annoncé se réalise et que, par conséquent, après cela, il y ait quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il avait besoin d'une nouvelle alliance pour pouvoir mettre fin à l'ancienne et pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec, après cet épisode-là de la rédemption, du plan de la rédemption. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir? OK. Donc, je voulais juste avant la question, même je souhaitais même citer, qu'on lise un peu Hébreux 9, versets 13 à 15, mais bon, on peut le faire maintenant. Donc, Naomi va lire pour nous. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle alliance n'est pas la négation de l'ancienne, ou une nouvelle version, une mise à jour de l'ancienne. Donc, la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la concrétisation du plan révélé dans l'ancienne alliance. Donc, Dieu, il est le même, et son objectif a toujours été de sauver l'humain. Son objectif n'a pas changé. Depuis le jour où il a habillé Adam et Ève de peau d'animal jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu n'a jamais changé de plan. Son objectif a toujours été le même. Oui, tu peux continuer. Voilà. Donc, la particularité de la nouvelle alliance, c'est que Dieu montre à l'humain que l'agneau sacrifié
c'est l'image même de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu. Tu peux avancer? Oui, mais Harry, j'aurais peut-être une question à poser par rapport à cette nouvelle alliance. Tu as parlé de, tout à l'heure, on parle d'Ève, de peau d'animal, et il y avait toute une cérémonie qui était mise en place. La question qu'on pourrait se poser, une question de débutant, pourquoi aujourd'hui ne pas continuer toujours à avoir ce système de sacrifice d'animaux? Puisqu'on sait que certaines personnes continuent à accomplir ce sacrifice rituel. Exactement. Donc, comme c'est une question pertinente, on peut se poser la question, puisque c'est d'ailleurs écrit dans la Bible. On voit que dans le Saint-Testament, il est question de sacrifice d'animaux. Et comme on se rend compte, dans la parole de Dieu, c'est toujours une question de processus. Et comme je disais, la nouvelle alliance n'est pas la négation de l'ancienne, mais le dépassement. C'est-à-dire que c'est une autre dimension de l'ancienne alliance. Et dans cette dimension-là, on comprend qu'il y a le principe de type anti-type. Et ce qui va se passer, c'est que l'agneau de l'Ancien Testament, eh ben, avec la venue de Jésus, l'agneau est là. Donc, retourner un sacrifice d'animal, ce serait nier la venue de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Et comme Carole l'a d'ailleurs mentionné, sous l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir dont il est question, c'est la mort, le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la concrétisation même de ce plan, de cette maquette qu'il avait pour le peuple d'Israël. Donc Jésus est cet agneau. Et ça n'a aucun sens aujourd'hui de sacrifier un agneau parce que l'agneau a déjà été sacrifié. Il est mort sur la croix, il est ressuscité et c'est Jésus-Christ. Ok. Vas-y. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser avant qu'on puisse continuer ou ajouter, compléter? Nous sommes là pour échanger, n'oublions pas ça, nous sommes là pour échanger et éclaircir les choses. Oui, il y a quelqu'un qui voudrait parler. Oui, bonsoir. Je suis Irène de l'Église d'Éphèse. Hein. Je voulais simplement ajouter par rapport à ce que vous venez de dire que le fait d'avoir le sanctuaire, les enfants d'Israël avaient le sanctuaire à portée de vue, ne serait-ce pas là un moyen pour Dieu de nous permettre, puisqu'en fait, quand nous héritons de tout ce qu'ils ont reçu, de leur permettre de voir un peu plus haut, au-delà de ce qu'ils voyaient sur la terre, pour pouvoir comprendre qu'il y a une démarche bien particulière à faire pour recevoir ce pardon. Tout à fait, et je voulais aussi ajouter à tout cela que n'oublions pas dans le verset que nous venons de lire dans Hébreux 9, le verset 12 nous dit bien. Le verset 13, je crois, oui. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, en fait, nous voyons bien qu'il est rentré pour toujours. Et le verset un peu plus haut, le verset 12 nous disait, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. » Donc, une fois pour toutes, ça montre bien que, justement, ce sacrifice qu'il a consenti à faire, c'était pour marquer, justement, la fin de cette partie de la rédemption. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, en fait. Harry a tout à fait raison de le dire, de le rappeler, que c'est la même alliance qui continuait. Ce sont juste, en fait, le plan de la rédemption à différentes phases. Et le sacrifice de Jésus a été justement a mis fin à une phase, une première phase, une première étape de ce plan de la rédemption. Et à partir de son sacrifice, nous continuons
pour, enfin, jusqu'à l'apogée du plan de la rédemption, qui est son retour final. OK. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Donc, Harry, tu peux continuer. D'accord. Donc, un passage aussi qui, pour étayer un peu l'argument qui montre que Jésus est vraiment cet agneau en question. Donc, dans Jean 1, verset 29, on voit que Jean-Baptiste, il va identifier Jésus comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus est notre substitut. Donc, à la croix, il a pris la culpabilité des péchés de tous ceux qui ont accepté son sacrifice. Et la bonne nouvelle, comme Jean 3, verset 16, comme Jean 3, verset 16 nous le rappelle, c'est que tout le monde a l'opportunité d'être pardonné de ses péchés et par conséquent d'être considéré comme juste devant Dieu et peut avoir la joie de vivre un jour éternellement avec lui. Donc, pour faire un petit parallèle avec l'Ancienne Alliance, donc on voit que là où l'agneau sans tache était sacrifié dans le parvis sur l'autel des sacrifices, Jésus, sans péché, s'est dépouillé de sa gloire céleste et a été sacrifié sur la terre, symbole du parvis, et sur une croix. Il pourrait représenter l'autel des sacrifices. Donc, un petit point qui est important de comprendre, c'est qu'accepter la mort du Christ, ça revient à dire qu'on se libère de la culpabilité du péché. Donc, ça, c'est important à retenir. Donc, on voit qu'on peut même se dire quel acte d'amour et de grâce de la part de Jésus. Donc, on voit qu'il nous a vraiment aimés et qu'il nous aime d'un amour incommensurable, parce que lui qui ne méritait pas de mourir, lui qui était sans péché, il a accepté, il s'est dépouillé. Comme Philippiens nous le rappelle dans le livre de Philippiens, je crois que c'est Philippiens 2, verset 9, qui nous rappelle qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il n'a pas eu peur d'être arraché, d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, il a pris notre place. Il est mort pour nous. Donc, on voit vraiment qu'il... Oh, c'est Philippiens 2, verset 7 qui parle de ça. Et ce qu'on appelle en théologie la kénose, le fait de quitter son attribut divin et venir s'incarner dans notre histoire pour nous sauver. Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est sur la base de la nouvelle alliance, que pouvez-vous faire de spécifique pour développer et renforcer votre relation avec Dieu, mais sans l'emprise du légalisme? Parce que c'est vrai que en tant qu'humain, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, puisqu'on est vraiment dans un contexte, dans le contexte du mérite, dans tout ce qu'on fait. Par exemple, j'ai travaillé pour avoir mon tableau d'honneur, je l'ai mérité, donc j'ai fait des choses... On a tendance à mériter ce qu'on obtient. Et on est dans le monde nous véhicule ce message-là. Donc, comment faire la part des choses? Et même dans l'ancienne alliance, beaucoup de... dans le simple fait de mettre en pratique tout ce système sacrificiel, d'amener l'agneau, il y a beaucoup tombé dans le travers de se dire, bon, comme j'ai observé la loi, donc j'ai emmené mon agneau qui m'appartient. Donc, par conséquent, je mérite, puisque j'ai... Donc, comment sortir de cette emprise, justement, du légalisme ou de croire que c'est sur la base du mérite? On pourrait se poser la question, est-ce que ce n'était pas plus facile sous l'ancienne alliance, quand il suffisait de prendre un agneau, aller sous l'autel, l'égorger, et puis c'était fait, c'était bon. Tandis qu'aujourd'hui, on doit, plutôt les choses, je dirais, ne sont pas visibles, où on doit aller vers Christ, qui est notre substitut, qui est mort pour nos péchés, à notre place. Et on doit aller, et c'est un acte de foi, entre guillemets, qui n'est pas visible. Pourquoi je mets entre guillemets pas visible? C'est qu'on ne voit pas cette action. Mais il y a quand même une partie visible, c'est-à-dire que notre façon de vivre va montrer que nous avons accepté que Christ est mort à notre place.
Et je pense que c'est dans l'être humain, ça c'est l'ennemi qui, je pense, qui a mis ça en nous à cause du péché. On souhaite souvent que, et c'est la société comme ça, comme tu le disais, qu'il faut toujours une récompense lorsqu'on fait une bonne action, on fait quelque chose. Tandis que là, nous n'avons rien à faire, c'est Christ qui a tout fait, il suffit d'accepter ce sacrifice qui est gratuit, alors qu'on aime bien payer. Et dans ce sens, c'est vrai que l'être humain a tendance plus souvent à chercher à montrer qu'il fait pour obtenir telle chose. Mais là, nous n'avons qu'à accepter que ce sacrifice de Christ, et c'est quelque chose qui est vrai, qui n'est pas facile. Mais nous pouvons réussir en passant, comme je le répète souvent, par l'étude de la parole de Dieu régulièrement. Intéressant. Donc, oui, Carole. C'est bon. Je voudrais ajouter à tout ça que la différence cruciale par rapport à l'exemple que tu prenais, Harry, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on travaille et on a une récompense. Tandis qu'avec cette alliance avec Dieu, en fait, la grâce de Dieu est déjà là. C'est-à-dire que le cadeau est déjà là. Le diplôme, entre guillemets, est déjà là, en fait. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter que ce diplôme nous est attribué. Comment faire spécifiquement pour développer et renforcer notre relation? C'est de croire justement que ce diplôme est à nous et tout ce qu'on nous demande de faire cette fois-ci, ce n'est pas de travailler pour l'avoir, mais nous faisons les choses parce que nous avons ce diplôme. Et comment nous pouvons le faire spécifiquement? C'est en respectant justement, en honorant ce sacrifice que Dieu a fait pour nous. Si je suis heureux ou heureuse que Dieu et fait ce sacrifice pour moi, qu'est-ce que je vais faire en retour? Je vais l'honorer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, je vais garder les commandements parce que Dieu m'aime. C'est pas pour que Dieu m'aime, mais c'est parce que Dieu m'aime que je vais le faire. Et comme je l'aime en retour, je vais faire les choses pour lui faire plaisir. Donc, dans ce cas-là, je ne serai pas sous l'emprise du légalisme. Parce que quand on pense à emprise du légalisme, on pense à quelque chose de forcé. On a l'impression qu'on est sous des travaux forcés, on est obligé de faire, etc. Non, je le fais parce que j'ai compris le sens de cette grâce. J'ai compris l'honneur que Dieu me fait d'avoir envoyé son fils pour me sauver. Et dans ce cas, je lui rends simplement cet hommage par rapport à ce qu'il a fait à moi. À partir du moment où je mets les choses sous cet angle-là, forcément, le légalisme s'éloigne de moi puisque je ne fais plus les choses parce que je fais les choses pour, justement, honorer ce Père céleste. Intéressant. Très bien. Très pertinent. Quelqu'un d'autre qui voudrait réagir sur la question? Oui, je voudrais un petit peu réagir parce que c'est vrai qu'il faudrait, comme dit Charles, se poser aussi les bonnes questions. Parce que si on analyse bien les deux alliances, que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle où le sang de Jésus a coulé, avec ces deux alliances, les péchés étaient toujours pardonnés. Que ce soit par un animal ou par le sacrifice de Jésus, les péchés étaient toujours pardonné. Donc maintenant, il faut se demander, pour moi, quelle était l'alliance la plus importante pour pouvoir analyser justement ces critères. Il faut qu'on se demande quelle est l'alliance la plus importante pour nous. Je pense, à mon sens, il n'y a pas de comparaison à faire puisque c'est la même alliance qui continue, c'est la même chose. C'est... à mon sens, il n'y a pas une alliance plus importante que l'autre, puisque c'est la même alliance, en fait. Ce sont juste des phases, ce sont des épisodes qui changent. Donc, effectivement, tu as raison quand tu dis, oui, les péchés étaient pardonnés, sauf que les choses ont changé, c'est juste, en fait, l'interface qui est différente, comme on dirait aujourd'hui, mais en fait, ça reste la même chose. Ça n'a pas changé. Exactement, c'est le même point. Oui, c'est-à-dire pour toi, ça n'a pas changé, mais tout le monde ne voit pas les choses de la même façon puisque certains continuent à faire le sacrifice des animaux. Parce qu'ils n'ont pas accepté
justement voilà. La venue de Jésus. Voilà. Donc, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est comme quand on a... voilà, si on décide de ne pas changer de logiciel, en fait, on sera toujours sur le même logiciel, mais ça ne veut pas dire pour autant que... La mise à jour n'existe pas. Voilà, la mise à jour n'existe pas, exactement. La question qu'on pourrait se poser dans tout ça, si je continue à faire les principes de l'ancienne alliance, est-ce que je suis toujours vu de la même manière par Dieu? Très bonne question. Là, il s'agit d'une question pertinente. C'est vrai que, bon, au regard du sacrifice de Christ, ça n'a plus de sens de sacrifier les animaux et autres. Mais après, il faut oublier que Dieu intervient avec nous en fonction de notre connaissance. Donc, il y a des personnes qui sont sincères et qui agissent ainsi sur la base de leurs connaissances et qui n'ont malheureusement pas été exposées à la vérité, au message de Jésus-Christ, ou sinon le message n'a pas été suffisamment clair pour ces personnes. Après, le véritable problème qui se pose, c'est si une personne a reçu le message et a refusé catégoriquement de le recevoir, à ce moment-là, la personne engage, voilà. Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il faut que dans tout ce que nous faisons, nous soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Et le plus souvent, nous connaissons la vérité, nous savons ce qu'il y a à faire. Mais est-ce que nous voulons vraiment nous laisser vraiment enveloppé par cet amour de Christ pour pouvoir être pleinement pardonné de péché? Et c'est vrai que tout à l'heure, la frontière, comme la question sous l'emprise du légalisme, la frontière est mince entre les deux, puisque des fois, on pense que pour que Christ puisse agir en nous, il faut que nous fassions des choses. Il faut que j'accomplisse et répande l'évangile. Et c'est la motivation qui est importante. Est-ce que je prêche parce que j'ai l'amour du Christ ou est-ce que je prêche pour que Christ m'aime? Est-ce que vous voyez la différence? Pour que Christ fasse quelque chose pour moi. Fasse quelque chose de ma vie. Et ce n'est pas ça. C'est je prêche parce que Christ est déjà là. Et il est important que nous puissions entrer dans ce processus. Et c'est pour ça que c'est une vie de sanctification jour après jour que nous... Exactement. Et il y a une chose qui est importante aussi. C'est que des fois, enfin même souvent, au sein de la famille chrétienne, c'est-à-dire relation parent-enfant, c'est très important aussi de montrer à l'enfant que l'amour est inconditionnel. Parce que beaucoup de personnes, inconsciemment, elles ne s'en rendent pas compte, mais elles calquent la relation avec Dieu, avec la relation qu'elles ont eue entre parent-enfant. Ça veut dire, comme avec le parent, j'ai eu l'impression qu'il fallait toujours faire pour être aimé, et qu'il y avait comme un clivage entre lorsque j'agissais mal et j'agissais bien. Mon parent m'aime quand je fais du bien, quand j'obéis, et mon parent ne m'aime pas quand je n'obéis pas. Non, l'enfant doit comprendre que même lorsqu'il désobéit, son parent l'aime. Mais ça n'exclut pas qu'il y aura une punition, qu'il y aura des règles. Mais des fois, dans le langage, je ne suis pas en train de dire que les parents aiment leurs enfants seulement quand ils obéissent, mais dans la manière dont on véhicule l'information ou on communique, l'enfant peut l'interpréter ainsi. Et même devenu adulte, même lorsqu'on devient adulte, ça nous envoie une image même dans notre relation à Dieu. Donc, on aura, même si on sait théoriquement qu'on n'a pas besoin de faire pour être aimé, mais dans la pratique, on aura toujours l'impression que non, Dieu ne m'aime pas si je ne... distribue pas assez de priorités, si je ne fais pas ceci ou il faut que je fasse... On aura toujours cette impression-là parce qu'on a été habitué à ce schéma-là. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans la famille chrétienne, c'est aussi le lieu parfait aussi pour les parents de véhiculer comment ça marche, comment l'amour de Dieu, comment la relation avec Dieu fonctionne. La relation d'amour, filiale entre le père et son enfant. Carole, quelqu'un voulait intervenir?
Bon, je pense que c'est Non, non, c'est bon, tu peux continuer. Justement, j'attestais ce Ah, que tu d'accord. disais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. D'accord. Ah, mais il n'y a pas de problème. Donc, l'autre point, c'est une autre question que je souhaite poser. Et c'est celle-ci. Si Jésus-Christ est venu en forme de serviteur dans une chair semblable à celle du péché, pourquoi a-t-il procédé ainsi? N'aurait-il pas pu venir déjà dans l'éclat de l'homme avant le péché? Par exemple, en étant déjà adulte, tout simplement? C'est une très bonne question, mais je pense que nous ne comprendrons vraiment ce sens de toute la rédemption que Dieu a mis en place que lorsque nous serons au ciel avec lui. Et c'est vrai qu'il y aurait eu plusieurs solutions, mais il faut déjà, dans l'acte de foi, de dire que Dieu a utilisé la meilleure, et j'ajouterai un terme à côté, l'unique solution qui amène vraiment l'homme à accepter ce sacrifice. Exactement. Et quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, j'ajouterais à tout ça que je pense qu'effectivement, il était intéressant qu'il vienne en tant que bébé, puisque on connaît déjà hein, l'incrédulité de l'homme. Quelqu'un arrive tout grand, ah oui, bon, ben, il est arrivé déjà avec son bagage, etc. Peut-être que ça aurait été moins pertinent. Tandis que là, le fait que Jésus ait pu grandir, d'accord, le fait qu'il ait affronté les différentes phases de l'enfance, de l'adolescence, de cette phase de pré-adulte et de la vie adulte, peut-être que ça montre aussi à quel point ce plan de la rédemption, pardon, est vraiment ouvert à tous, c'est-à-dire que tous ont accès, les jeunes, comme d'ailleurs il disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Hein, ne les en empêchez pas. Ça veut dire que à toutes les phases de notre vie, Jésus a pu vivre ces phases-là et donc il peut tout à fait dire aujourd'hui, oui, j'ai vécu tout ça et donc je vous invite aussi, vous aussi, vous pouvez le faire. Et je pense que en quelque part, c'est un bel exemple pour nous parce que nous passons par ces phases-là et il a connu toutes ces phases-là comme nous. Ainsi, nous pouvons nous calquer là-dessus pour dire, ben oui, si Jésus l'a fait, ben par sa grâce, moi aussi, je peux aller de sanctification en sanctification avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir évoluer. Donc, il a vécu dans ce monde, il a grandi dans ce monde et ça ne l'a pas empêché de rester en relation constante avec son Père. Alors, nous aussi, nous avons aussi ceci à faire et avec l'exemple qu'il nous a donné, ben, nous pouvons aussi le suivre. Merci beaucoup, Carole. Donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le substitut devait réussir là où Adam avait échoué. Donc, il devait prouver qu'Adam n'aurait pas dû pécher, qu'il aurait pu l'emporter sur la tentation et qu'obéir au commandement est possible et que ceux-ci sont profitables à la race humaine. Et ça, c'est intéressant. Donc, on voit que là où Satan a insinué que ce que Dieu demande à l'homme est trop dur et c'est impossible d'obéir, eh bien, Jésus, il a montré par son vécu qu'avec une connexion profonde avec le Père, une vie de prière intense et le Saint-Esprit, il est possible de résister à toute tentation. Donc, c'est là, je vois là aussi un but. Le but du vécu de Jésus sur terre et de tout le processus qu'il a eu. Et heureusement, il n'a pas choisi de venir dans une famille riche où tout se passait pour le mieux, mais il est venu dans une famille pauvre. Il a été dans un endroit où, d'ailleurs, on a dit que peut-il sortir de bon de Nazareth? Donc, il était dans un contexte, dans un quartier compliqué, un quartier chaud, comme on dirait aujourd'hui. C'est là qu'il a évolué. Donc, on voit que si on fait le parallèle même, si on fait le contraste avec Adam, on voit qu'il y a une différence entre Adam et Jésus. C'est Adam, il a vécu où? Il a vécu dans un Éden parfait, tandis que Jésus, lui,
Il a vécu dans un monde qui était déjà bien perverti et avili par le péché. Et ça, c'est énorme. Donc, en quelque sorte, Jésus est venu nous montrer qu'on peut faire face à la tentation, que ce n'est peut-être pas facile. Ce n'est peut-être... D'ailleurs, lorsque Jésus a été tenté dans le désert par l'ennemi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi ne vient jamais nous tenter avec quelque chose qui n'est pas susceptible de nous attirer. Ça veut dire que moi, je n'aime pas... Qu'est-ce que je n'aime pas? Bon, il y a un truc que tout le monde aime, mais je ne suis pas trop fan. C'est le gratin de Christophine. Je ne suis pas trop fan. Je n'aime pas le gratin de Christophine. L'ennemi ne va jamais venir me tenter avec un gratin de Christophine. Et comme il sait qui est Jésus, et comme il sait que Jésus, c'est quelqu'un qui domine, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, donc il va venir tenter Jésus avec le pouvoir. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en Jésus qui connaît le pouvoir et qui peut répondre à ça. Il va venir tenter Jésus avec la nourriture. Il sait que Jésus sort d'une longue période de jeûne. Donc, il va venir tenter Jésus avec la nourriture. Il va tenter Jésus par la parole de Dieu même. Donc, on voit jusqu'où l'ennemi va pour nous tenter. Donc, il y avait... On ne peut pas dire que Jésus, c'est parce qu'il est divin, qu'il n'est pas tombé, que machin. Non, Jésus était tenté dans des choses qui cadraient même avec sa nature. Il a été tenté avec des choses qui l'attiraient de manière profonde. Mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à la tentation. Et il nous montre cet exemple. Ça veut dire que nous, on est peut-être tenté par des choses. Ça peut être le matériel, ça peut être par des relations sexuelles illicites ou toutes sortes de choses. Chaque personne a ses tentations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre l'exemple de Jésus. Jésus sait qu'on sera tenté. Être tenté, ce n'est pas péché, on n'a pas encore péché. C'est la manière dont on va répondre à cette tentation. C'est là le problème. Notre vie de chrétien, il faut pouvoir, tout comme Jésus, sortir victorieux de la tentation. Jésus nous a montré, il nous a donné ce bel exemple. Et je crois qu'en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous évertuer, être des victorieux face à la tentation. Donc, petite équation que j'aimerais voir avec vous, c'est que la vie sur terre plus la mort du Christ, la vie sur terre du Christ plus sa mort est égale à la possibilité pour nous, si nous l'acceptons, à être délivrés du pouvoir du péché. Donc, sa vie sur terre, l'exemple qu'il nous a montré, plus sa mort nous montre que nous pouvons être pas seulement délivrés de la culpabilité, mais aussi du pouvoir du péché dans notre vie. Et c'est ce qui revient à dire que ça nous amène à la mort au péché également. Je dis amen à cela, nous pouvons poursuivre. Et là, ça, voilà. Donc, heureusement, Jésus-Christ, il est écrit, n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Sa résurrection nous rappelle qu'après notre mort au péché, nous pouvons avoir une nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle expérience bâtie sur des bases plus solides, avec des valeurs plus pures, plus nobles. Et sa résurrection est également le témoignage que tout comme Christ est ressuscité, les morts en Christ ressusciteront aussi pour la vie éternelle. Et je dis amen à cela. Mais sa résurrection nous oriente également vers son ascension. Son ascension pour un autre ministère, ou disons une autre phase de son ministère, qui est celui de grand prêtre, celui de la prêtrise. Donc, on comprend dès lors que le sanctuaire est christocentrique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a la particularité d'occuper les fonctions d'offrant, c'est-à-dire celui qui amène son sacrifice, et d'offrande, ça veut dire le sacrifice lui-même. Et il a également la fonction de prêtre et aussi d'oblation. Donc, dans sa mission de prêtre,
on comprend que Jésus-Christ, il est l'offrant. Donc, entre l'offrande et Dieu le Père, il y a un intermédiaire. Et cette personne, c'est l'offrant, celui qui va offrir. C'est le prêtre, Jésus-Christ. Donc, il est à la fois l'offrant et l'offrande. Donc, celui qui est offrant, qui va présenter l'offrande à Dieu, mais il est également l'offrande. Et dans sa fonction de prêtre, d'offrande, ah ben, le rôle qu'il a, c'est quoi? C'est quoi sa fonction? Il est intercesseur. C'est votre enfant, oui. Ah oui. Vas-y. Intercesseur. L'offrande de quel est cette offrande? Comment? Vas-y, ma soeur, tu parles. Intercesseur, non? Oui, dans sa mission de prêtre, il est l'intercesseur. Il est le médiateur. Et c'est son sang, c'est son propre sang qu'il présente justement au Père. C'est son propre sang qu'il présente au Père à l'image justement de ce qui se passait dans le sanctuaire, puisqu'il est le grand prêtre. À l'image de ce que faisait le grand prêtre, ben, Jésus fait la même chose, sauf que c'est son propre sang qu'il présente en offrande pour justement justifier notre salut. Exactement. Et on voit à quel point tout dans le sanctuaire tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Donc, la question que je pose, c'est qu'est-ce que Jésus-Christ présente au Père? Donc, il présente l'offrande. Et quelle est cette offrande? C'est lui, cette offrande, c'est lui, comme on a dit. C'est lui qui a consenti à mourir pour nos péchés. Donc, il présente son corps et symboliquement son sang au Père, comme Carole nous l'a dit. Et il dit, on peut dire... Je prends l'image, je personnalise les choses. Il dit, Harry, par exemple, a accepté mon sacrifice et s'est repenti de ses péchés. C'est ça qu'il va dire au Père. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Harry est réconcilié avec le Père. Et c'est valable pour ça. Chaque personne peut personnaliser ça. Ça peut être Carole peut personnaliser ça, Charles peut personnaliser ça. Chaque personne, on se dit ça. Dès qu'on a accepté le sacrifice du Christ, dès qu'on a confessé nos péchés, et bien à ce moment-là, c'est ça, il prononce ses paroles. Il est l'intermédiaire, il est le médiateur entre le Père et nous. Et à ce moment-là, une fois qu'il fait ce travail de médiation, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes réconciliés avec le Père. Donc, très important, quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ, ça c'est très important, que Jésus-Christ qui soit notre prêtre et notre médiateur. Ce qui revient à dire qu'on ne doit se confesser en aucun homme sur terre pour obtenir le pardon de nos péchés. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. Ça veut dire que si je vais me présenter un homme, me confesser un homme pour espérer obtenir un pardon de Dieu, mais je vais me confesser un homme qui est pécheur comme moi-même, un homme qui a besoin d'un intercesseur, justement, qui a besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, chers amis, est notre seul et unique médiateur. C'est bien, c'est important à retenir. Et d'ailleurs, pour appuyer cet argument, 1 Timothée 2, verset 5 déclare ceci, car il y a un seul Dieu et aussi, combien? 10 médiateurs? Et un seul, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et je dis amen à cela. Harry, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Allez, je vous en prie. Intervenir. Qu'est-ce qui souhaite participer? La personne qui souhaite participer ou ajouter quelque chose? Non, mais comme tu disais, il est très important de comprendre que Christ, c'est lui seul qui
pardonne nos péchés et qui nous conduit vers le Père. Et comprendre qu'il n'y a que cette démarche qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à vouloir toujours passer par un intermédiaire, soit par un ancien, soit par le pasteur, soit par un ami. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, et Christ parle en nos cœurs, que c'est lui seul à qui nous devons tout nous confier si nous voulons obtenir cette grâce-là, obtenir le pardon de Dieu. C'est lui seul. Et comme je le disais et la semaine dernière, tant de problèmes seraient évités dans nos communautés si on respectait pleinement ce processus que lorsque j'ai péché, je vais à Christ, je vais vers Christ pour demander pardon au Père. Et nous éviterons beaucoup de problèmes dans nos communautés et aussi dans nos familles. Cette démarche. Et lorsque Christ nous a pardonné, lorsque nous avons accepté ce sang, nous sommes pleinement pardonnés. Et quiconque viendrait nous rappeler notre passé, nous pouvons, entre guillemets, le mettre à sa place et dire, je suis pleinement pardonné, j'ai reçu ce sang de Christ et tout est enseveli dans la mer. Même si certains utilisent la canne à pêche à plus vite pour pouvoir les chercher, mais je sais que Christ m'a pardonné et que je vais de l'avant et que je n'ai rien à craindre. Et vraiment, si on respectait ce processus-là, nous éviterions beaucoup, mais je dis beaucoup, de problèmes de communauté et nous vivons beaucoup mieux ensemble. Mais le travail de l'ennemi, c'est de toujours vouloir passer par un intermédiaire et mettre le doute en nous. Mais en ce soir, il est important que nous puissions comprendre que Dieu nous parle et nous dit que c'est par son Fils uniquement que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Exactement. Donc le médiateur, comme tu dis, c'est très important. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un membre d'église qu'on considère comme père spirituel. Ce ne sont pas nos parents. Parce que des fois, beaucoup de jeunes considèrent leurs parents comme des intermédiaires. Ça veut dire que j'ai déçu mes parents, j'ai déçu Dieu, ou ma relation fonctionne seulement à travers la prière de mes parents pour moi, ou la prière de tel ou tel frère et sœur qui prie beaucoup. Donc, prie pour moi, interviens. Et puis, je raconte mes affaires. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus proche de Dieu que nous et qui sera l'intermédiaire de l'intermédiaire. Donc, ça aussi, c'est très important en tant que chrétien de comprendre que Jésus-Christ, il n'est pas mort pour les prunes, il n'est pas mort pour qu'il y ait d'autres intermédiaires, mais c'est pour que ce soit personnel, qu'on puisse développer une intimité avec lui. C'est entre nous, il est là pour nous. Et c'est à travers c'est lui et nous et le Père, c'est cette relation-là qui amène la réconciliation. C'est bon, notre réaction sur ce point? Oui. Tout à fait, non, vraiment, j'appuie à 100% ce que tu viens de dire, puisque effectivement, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche de Dieu que nous, alors que nous sommes les seuls à pouvoir être proches de Dieu, puisque la relation, elle doit être personnelle. C'est vrai que parfois, les reliquats que nous avons, surtout quand nous avons connu autre chose, quand nous étions plus jeunes, etc. Mais il faut comprendre que lorsque nous faisons cette nouvelle alliance avec Dieu, lorsque nous comprenons le sacrifice de Dieu pour nous, il est important pour nous de comprendre que personne ne doit venir entre Dieu et nous. C'est Dieu et moi, en fait, et il faut absolument que cette relation soit une relation suffisamment intime pour que je comprenne que c'est à Dieu que je dois aller, tout simplement parce que la même personne à qui j'irai confier mes affaires, eh bien, elle aussi, elle a besoin de Dieu, comme moi-même, et elle ne pourra rien faire pour moi. Donc, il est important de comprendre que c'est à Dieu que je dois d'abord présenter mes erreurs. Après, Dieu peut mettre sur mon chemin quelqu'un pour me guider, pour me consoler, pour me permettre d'avancer. Mais il faut bien que je comprenne que cette personne-là ne pourra pas faire ce travail, ne pourra jamais être ce pont entre le Père et moi. Seul Jésus peut faire ce travail. Exactement. Et pour un peu nuancer mes propos, j'aimerais ajouter que je ne suis pas en train de dire que des fois, on n'a pas besoin de demander de la prière, de dire aux frères et sœurs, priez avec nous. Mais ça ne doit pas remplacer notre démarche personnelle avec notre Sauveur. Mais il y a des fois, en cas de maladie ou en cas de petits problèmes familiaux, on peut dire, sans forcément entrer dans les détails, parce que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir tous les détails de la situation, mais de dire,
on traverse quelques difficultés ou j'ai un problème de santé, j'aimerais que l'Église prie pour moi. J'aimerais que mes frères et soeurs, parce que l'Église sert à ça aussi. Mais il faut savoir comment amener les choses. Ne pas voir la personne comme... ne pas confondre l'intermédiaire et la solidarité du corps du Christ. Donc voilà. Donc, on approche de la fin. Donc, j'aimerais revoir une notion, voir avec vous une notion importante du médiateur. Donc, ça concerne un peu Hébreux 8, verset 10, qui nous rappelle que le médiateur ne se contente pas de pardonner ceux qui se sont confessés et qui ont accepté Jésus-Christ, mais il inscrit sa loi dans leur cœur, c'est-à-dire l'accomplissement. Et ces paroles-là, c'est qu'on trouve dans Hébreux 8, c'est l'accomplissement des paroles prophétiques de Jérémie 31, versets 31 et 33. 31 à 33. Donc, la question que j'aimerais vous poser, ce sera probablement la dernière, il y a tellement à dire sur ce terme fort intéressant, mais la question est celle-ci. Comment Dieu procède-t-il pour inscrire sa loi dans nos cœurs? Parole est à vous. Parce que la Bible nous dit que Dieu va inscrire sa loi dans nos cœurs. Donc, comment procède-t-il? Très bonne question. Vas-y. Non, je voulais juste dire, enfin, en attendant que les autres se manifestent. je voulais juste dire qu'en fait, ben, c'est à travers sa parole, de toute façon, c'est à travers l'étude de la parole de Dieu, je pense que Dieu inscrit sa loi dans notre cœur, puisque sa loi nous sert à quoi? On l'a déjà vu auparavant, sa loi, c'est comme un guide pour nous, c'est comme un code. D'accord, c'est un code de notre vie spirituelle en fait. Et je pense qu'à travers justement cette contemplation que nous avons de Dieu, lorsque nous étudions sa parole, lorsque nous la mettons en pratique, puisque ça aussi c'est important, nous ne devons pas nous borner à simplement écouter la parole, mais nous devons la mettre aussi en pratique. Je pense qu'en quelque part, sa loi s'inscrit dans nos cœurs à travers justement ces différentes expériences que nous faisons avec lui, parce que nous le laissons par le biais de son Saint-Esprit nous changer. D'accord, exactement. Donc ce qui se passe, c'est qu'au premier abord, lorsqu'on étudie la parole de Dieu ou qu'on est quand même dans cette démarche de relation avec Dieu, avec le Christ, on accepte son sacrifice et tout, et qu'il devient difficile néanmoins de passer de la théorie à la pratique, ce qui concerne la parole de Dieu, les commandements et tout. Donc, ce n'est pas toujours chose facile, mais qu'est-ce qui se passe? Par amour, l'enfant de Dieu, il va accepter de faire ce pas de la foi, il va accepter d'être fidèle, d'obéir à la loi de Dieu. Mais il ne va pas se contenter de le faire de manière légaliste, mais il le fait par amour. Et parce qu'il le fait par amour, même si c'est chose difficile pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est également humain, et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, il est plus facile pour moi de faire le mal que je ne veux pas que le bien que je veux. Donc, c'est dire la lutte qu'il y a chez l'être humain. Mais on arrive à un moment donné que ce ne sera pas seulement par amour pour Christ, amour pour Dieu qu'on fera les choses, mais qu'on va arriver à un stade dans notre relation, par le sacrifice de Jésus, par la relation, par son esprit qu'il nous donne, on va arriver à un stade dans notre relation où on aura pas seulement l'amour pour Dieu, mais l'amour pour ses commandements, l'amour pour sa loi, parce qu'elle sera inscrite dans nos cœurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, dans l'Antiquité, ce n'est pas simplement le... Nous, on parle du cœur, on utilise le cœur, machin, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on a compris que le cœur, ce n'est ni plus ni moins qu'un organe, qu'un muscle. Mais dans l'Antiquité, il faut comprendre que la compréhension du cœur, c'est en quelque sorte le siège... Des différentes émotions que l'être humain peut ressentir. Donc, moi, je comprends que lorsqu'il est dit que Dieu va inscrire sa loi dans nos cœurs, ça veut dire que le regard, ça veut dire qu'on pratique la loi de Dieu en tant que son peuple,
mais que le regard qu'on a sur cette loi, le ressenti qu'on a par rapport à cette loi, eh bien, on sent qu'il y a une certaine maturation. Donc là où au début, on était un peu au ralenti, que c'est un peu comme une voiture qui est en seconde au lieu qu'elle devrait être quatrième, ça fait, on accélère, mais ça ne va pas plus loin, et on voit que ça coule de source. On est en troisième, on est en quatrième, parce pourquoi? Parce que les choses se font avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'amour, et que dans l'observation de la loi, il y a des sentiments joyeux, ça veut dire avec le bonheur. Donc, on n'observe pas la loi avec de la frustration ou autre. Et c'est tout ce vécu-là que Dieu va apporter justement dans la vie du croyant, de la vie du chrétien. Et là, ça va en totale opposition avec, disons, le salut par les œuvres ou le légalisme qu'on applique. On ne prend aucun plaisir à appliquer, mais on applique parce que Dieu a dit. Mais là, on est dans une dimension où on a fait confiance à Dieu, même si ce n'était pas facile. Et il y a de la maturation même dans notre cœur. Donc voilà, c'est sur ce point-là que je souhaiterais finir. Et en tout cas, j'espère que ça a été un plaisir pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi de partager cette leçon de l'école du sabbat. Donc peut-être que je vais laisser Charles faire quelques mots de conclusion. Donc merci à tous pour avoir participé. Donc, il est important que nous puissions continuer à avoir cette assurance que Christ ressuscité officie pour chacun d'entre nous comme grand prêtre devant Dieu. Et cette semaine, comme nous avons toujours ces questions, j'aimerais que nous puissions toujours réfléchir. Est-ce que ces choses changent-elles quelque chose à ma vie quotidienne? En quoi cela se manifeste-t-il concrètement? Et il est temps aujourd'hui, en tant que chrétien adventiste du septième jour et tout ce qui étudie la parole de Dieu, que ceci se manifeste dans nos vies concrètement, alors que nous vivons les temps de la fin. Et la question que vous pouvez me poser, en quoi consiste l'intercession de Christ pour moi personnellement? Et durant cette semaine, je vous invite à lire Jean 14, verset 19, Jean 16, verset 26 et 26. Si Christ est Dieu, comment peut-il se prier lui-même? Entre ceux qui se placent-ils comme médiateur? Pourquoi est-il le seul à pouvoir le faire? Et nous avons discuté. Et durant toute cette semaine, nous devons nous poser ces questions et passer vraiment à cette phase pratique. Et quelle promesse pour ma vie quotidienne cette étude m'a-t-elle révélée? Qu'en ferai-je cette semaine dans ma relation avec Dieu et avec les autres? Et aujourd'hui, au 21e siècle, comme je le disais tout à l'heure, il est temps que nous soyons des chrétiens du 7e jour qui soient véritablement pratiques. Et c'est ce que le Seigneur Dieu nous demande à chacun. Que nous soyons, qu'on voit vraiment que Christ nous a pardonné pleinement et que nous sommes des enfants de Dieu. Et toutes ces leçons, cette promesse là pour nous fortifier dans ces temps vraiment difficiles que nous vivons, mais nous devons nous tenir fermés de vous et de dire que nous sommes de véritables enfants de Dieu qui avons accepté ce médiateur qui est Christ et que cela doit se voir dans nos vies. Il est important que ces leçons ne restent pas vaines comme ça, là, mais qu'elles puissent être vraiment pratiques dans nos vies. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Marie, tu vas prier pour nous, pour terminer. Avec plaisir. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité bénie que tu nous as accordée d'échanger autour de cette leçon fort intéressante. Une fois de plus, tu nous interpelles, Seigneur, sur ton sacrifice et sur sa portée pour notre existence. Que nous puissions pleinement consentir à accepter ce sacrifice, Seigneur, ce sacrifice à la croix pour nous. Et que nous puissions aller plus loin dans notre relation, que nous puissions vraiment être dans ce processus de sanctification. Agis en nous, transforme nos cœurs, aide-nous. Aide-nous à pas seulement nous contenter d'échanger sur cette leçon de l'école du sabbat, mais à pouvoir l'expérimenter dans notre quotidien. Dirige-nous, tu vois nos luttes, tu vois nos épreuves, tu vois nos souffrances. Je te présente chaque membre ici présent. Je te présente également ceux qui nous écouteront par la suite. Tu les vois, Seigneur, tu vois leurs luttes, tu vois leurs tentations. Et que toutes ces personnes puissent avoir l'assurance que tu es un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Puissent avoir l'assurance que tu es un médiateur. Puissent avoir l'assurance que tu es un ami, un confident et que tu es disposé à transformer leur vie,
à transformer leurs émotions négatives, Seigneur, inscrire ta loi dans leur cœur. Agis, Seigneur, selon ton amour, selon ta bonté. Souviens-toi de chacun d'entre nous et nous voulons remettre entre tes mains le reste de la semaine. Que tu puisses nous diriger, nous protéger, nous garder, Seigneur. Que tu puisses bénir, Seigneur, ce programme, cette école du sabbat annexe. Que tu puisses permettre, Seigneur, que des âmes soient touchées et sensibilisées par ta parole. Que tu puisses continuer à nous utiliser, Charles et Carole et tous ceux qui contribuent à l'organisation de ce programme. Ce sont là les grâces que nous te demandons, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, si Dieu veut. Et nous verrons la leçon 12, la foi dans le cadre de l'Alliance. Donc, nous vous souhaitons une bonne semaine d'études et que le Seigneur vous bénisse.